Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau webinaire organisé par Grisby. Depuis quelque temps, vous êtes de plus en plus nombreux à nous questionner, à nous solliciter pour donner davantage de sens à votre épargne et à vos investissements, notamment sur la dimension de la protection de l'environnement. Depuis quelque temps aussi, on entend de plus en plus parler de la forêt qui détient un rôle essentiel dans la préservation de notre environnement et de la biodiversité. On a la chance aujourd'hui de réaliser un webinaire avec un acteur, un partenaire historique de Grisby, à savoir France Vallée, qui est un acteur de premier plan dans l'investissement forestier et la gestion forestière. Merci à Clément et à Paul d'avoir accepté notre invitation pour justement qu'on en sache davantage sur l'activité de France Vallée et les coulisses de la gestion forestière. Je vais d'ailleurs vous donner la parole pour que vous puissiez vous présenter en quelques instants. Clément, si tu veux bien commencer. Et bonjour à tous, Clément Roche, je suis directeur des investissements et de la gestion des actifs pour France Vallée, que j'ai rejoint il y a maintenant 6 ans. Et à l'origine, je suis de formation forestière. J'ai travaillé et débuté ma carrière dans une coopérative en Bourgogne-Limousin. Merci Clément. Paul. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Paul Blondel, je suis responsable commercial chez France Vallée depuis le début de l'année. Donc je m'occupe des partenariats tels que Grisby et des autres partenaires conseillers en gestion de patrimoine. Parfait, merci Paul. Vous le savez peut-être, France Vallée est un acteur vraiment de premier plan dans l'investissement dans l'actif forestier depuis maintenant quelques années. On va en savoir plus dans quelques temps. Au-delà de l'investissement forestier, ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, c'est la qualité de la gestion forestière opérée par France Vallée. Une gestion à la fois responsable et remarquable de ses actifs, et c'est essentiel, notamment par rapport aux enjeux qu'on a évoqués, qu'on évoquera effectivement autour de la protection de l'environnement, pardon, et de la biodiversité. Vous le savez probablement, vous avez la possibilité de poser des questions. N'hésitez pas, on relayera ces questions auprès de nos intervenants autour de la thématique du jour. Et puis, Paul, pour commencer, est-ce que tu peux déjà nous éclairer sur France Vallée, la société et son activité? Je te remercie. Donc je vais vous parler un petit peu en introduction de France Vallée, qui on est, comment on travaille. Et après, je laisserai la main à Clément pour vous expliquer toute la gestion forestière avant de revenir pour vous présenter un petit peu les solutions d'investissement. Donc si on peut aller à la slide suivante que je vous présente en introduction, qui est France Vallée. Donc France Vallée, on est une société de gestion indépendante, donc qui est agréée par l'AMF depuis 2014. On gère 4 milliards d'euros d'actifs sous gestion. C'est réparti en deux activités. Une activité purement institutionnelle, dont on ne parlera pas aujourd'hui, et une activité foncière, donc l'achat et la gestion d'actifs forestiers et aussi de vignes, de parcelles de vignes en Champagne. Donc là, l'objet de la réunion sera que sur la partie actifs forestiers. On gère aujourd'hui 37 000 hectares de forêt en France et en Europe. Alors en Europe, on commence à être investi dans les pays du Nord tels que la Suède, la Finlande, les pays baltes, Estonie, Lituanie, Lettonie, et des pays comme la Roumanie. On commence à être présent en Slovaquie, bientôt en Allemagne, et on est des forêts en Irlande. Pour vous donner un petit peu un contexte, aujourd'hui on est le premier investisseur privé en France forestier. Et on gère 29 domaines, ça représente à peu près 25 hectares de vignes en Champagne. C'est une plus petite partie de notre activité. Alors, quelle était finalement l'idée de France Vallée? L'idée de France Vallée, c'était de démocratiser cette classe d'actifs qui est la forêt, parce que c'est une classe d'actifs qui est ancestrale, que vous connaissez tous. Mais je ne sais pas si vous savez que vous pouvez, à partir de quelques milliers d'euros, investir sur cette classe d'actifs. Et en fait, c'est une classe d'actifs qu'on a décidé de démocratiser chez France Vallée, parce que c'est une classe d'actifs qui est difficile d'accès pour plusieurs raisons. Il peut être extrêmement élevé parce qu'on ne va pas parler de petites forêts. Clément va vous présenter des forêts, de grosses forêts d'exploitation. Donc le ticket d'entrée est élevé, plusieurs centaines de milliers d'euros, voire quelques millions d'euros pour des forêts de plusieurs dizaines, voire centaines d'hectares. Et même si vous avez un portefeuille bien garni,
Vous pourrez peut-être à 600 000 euros ou 1 million, vous achetez votre forêt, mais en termes de diversification et de gestion du risque, vous posséderez qu'une forêt. Donc même avec un portefeuille bien garni ou si jamais vous pouvez acheter plusieurs forêts, bah, c'est un marché qui est difficile d'accès parce que c'est un marché de bouche à oreille, notamment en France, et ce qui est surtout réservé finalement aux investisseurs professionnels. Et si vous avez accès à certaines forêts, c'est peut-être que les professionnels n'en ont pas voulu. Et enfin, si vous avez vraiment, la troisième raison, vraiment accès aux bonnes forêts, derrière, si vous avez accès à la bonne forêt, derrière, il y a des contraintes en termes de gestion que Clément va vous expliquer, qui permettent de limiter le risque, de générer de la performance, et aussi d'avoir accès à certains avantages fiscaux. Donc, France Vallée, l'idée, c'était de démocratiser cette classe d'actifs et de rendre finalement une solution clé en main pour l'investisseur final. Voilà. Donc, je vais laisser la main à Clément qui va vous présenter la gestion forestière en tant que telle. Mais merci Paul pour cette présentation de France Vallée. Juste un mot de notre côté. Effectivement, je le disais en préambule, France Vallée et Grisby sont partenaires historiques de la première heure. Et France Vallée est un expert, et on le verra à travers notamment la présentation de Clément, un expert forestier de premier plan. Il y a d'autres acteurs aujourd'hui qui peuvent s'intéresser à cet actif qui est de plus en plus convoité. Mais voilà, en tout cas, sachez que France Vallée est avant tout un expert forestier, un expert dans l'investissement, bien évidemment, un expert forestier. Clément, je te donne la parole. Oui, alors je pense que la première chose pour comprendre les enjeux qui sont autour de l'investissement forestier et de la gestion, surtout, c'est la première chose que l'on apprend quand on débute une carrière de forestier ou qu'on débute ses études, c'est la multifonctionnalité de la forêt, en particulier en France. En fait, la forêt, elle concentre trois enjeux majeurs, donc l'enjeu économique, l'enjeu écologique et l'enjeu social. Aujourd'hui, c'est assez particulier puisque on a l'impression que depuis 5 ans environ, et ça s'est accéléré ces 2-3 dernières années, à la faveur du réchauffement climatique et des problèmes phytosanitaires que l'on peut connaître, la forêt est vraiment au cœur des débats de société. Je pense qu'il n'y a pas un mois sans qu'il n'y ait pas un article dans la presse nationale qui parle de forêt. Le problème, c'est que la filière forestière, la filière, on va dire en amont de la gestion forestière, a assez peu communiqué sur ce qu'elle faisait. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a peut-être 3 000 ou 4 000 gestionnaires forestiers, donc de personnes qui rentrent dans le giron de la sylviculture, et ils parlent assez peu de leur métier. Et donc, c'est l'occasion aujourd'hui de présenter quelques grands principes de gestion et surtout la gestion que l'on veut la plus vertueuse possible dans les forêts de France-Vallée. Donc, je le disais, un intérêt grandissant du grand public sur les sujets forestiers, mais qui méconnaissent en général les enjeux et les principes de gestion. Aujourd'hui, on est clairement tiraillé entre plusieurs demandes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau économique, il y a une demande en bois qui ne fait que croître. Quand on regarde les dernières RT qui ont pu être promulguées et la demande générale, la part de construction en bois, que ce soit en logement individuel ou collectif, qui ne fait que de progresser. En même temps, on nous demande d'endosser un rôle écologique qui est très important, de préparer les forêts au réchauffement climatique. Et d'un point de vue social, il faut que les opérations forestières soient acceptées par le plus grand nombre. Sur l'aspect social, juste pour donner quelques grands chiffres, ça représente la filière globale, donc jusque du producteur de bois jusqu'à le charpentier ou le poseur de menuiserie, c'est 440 000 emplois, donc c'est plus que la filière automobile. Et dans certains pays européens, comme la Finlande, ça représente jusqu'à 4% du PIB du pays. Donc c'est considérable et c'est assez étonnant d'ailleurs que cette filière ait été assez méconnue du grand public. Je vous propose ensuite de parler des engagements très généraux de la gestion et de France Vallée sur presque l'ensemble de tous ces produits financiers. En fait, une forêt bien gérée, elle répond quand même à 9 des 17 objectifs de développement durable. On aura l'occasion de rentrer dans les détails, mais c'est beaucoup pour un seul actif. On est évidemment signataire des PRI. On a obtenu le Greenfin label, qui est un label donné par le ministère de la Transition écologique, et on est contrôlé par Novetic, qui est
qui est une filiale de la Caisse des dépôts. On est les premiers à avoir obtenu ce label-là pour un fonds forestier. Et il s'est fait, on l'a obtenu puisqu'en fait, on s'est engagé sur une charte de gestion assez stricte que je vais vous présenter et qui est amenée à s'améliorer encore dans les prochains temps. Et ensuite, on a développé un indice de carbone forestier. Donc, on est aujourd'hui en capacité de mesurer l'impact de notre gestion forestière sur les stocks de carbone à l'intérieur de la forêt, mais aussi dans les produits bois. Donc, c'est-à-dire au moment où on fait la coupe du bois et qu'on va utiliser le bois pour produire de la charpente, par exemple, ou du bois de chauffage. Ensuite, on est évidemment, mais c'est devenu une norme, en tout cas en France, agréé, certifié PEFC sur l'ensemble de nos forêts et FSC sur certaines de nos forêts européennes. On se pose aujourd'hui des questions pour faire certifier FSC des forêts françaises, puisque c'est une réglementation, en tout cas en France, qui est beaucoup plus stricte que PEFC. Et compte tenu des engagements qu'on a, que l'on prend dans notre charte de gestion, on est en phase. Dans les principes généraux, notre gestion forestière, elle répond à cinq piliers. Donc, la partie promouvoir, c'est l'idée que, évidemment, on respecte toute la réglementation de chacun des pays. En France, on a une réglementation qui est extrêmement stricte, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas détenir une forêt qui fait plus de 25 hectares sans avoir un plan simple de gestion, qui est un document, qui a une partie d'analyse de contexte réglementaire, environnemental au sens large du terme, mais aussi un programme très clair de coupes et de travaux qui, ce programme s'étend de 10 à 20 ans. Donc les dates sont à respecter, on s'engage sur une gestion et la gestion est préconisée par ce qu'on appelle des schémas régionaux de gestion sylvicole qui nous indiquent par exemple quelles essences favoriser, quel type d'itinéraire sylvicole choisir, quelles plantations, quels sont les diamètres maximum d'exploitation, minimum d'exploitation, les âges de prélèvement. Ensuite, on a une particularité chez France Vallée, et c'est dans l'onglet favoriser, c'est qu'on a fait le choix de travailler avec des gestionnaires forestiers locaux, qui sont de tout ordre, ça veut dire que ça peut être des experts forestiers, des coopératives, des gestionnaires tout à fait indépendants. Ça présente un avantage majeur, c'est qu'ils sont répartis sur tout le territoire français et que grâce à eux, on a une connaissance des secteurs parfaite. C'est-à-dire qu'en fait, en forêt, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qu'on met au point, toutes les études que l'on peut faire, elles se font beaucoup de façon empirique, puisque nos temps d'analyse sont extrêmement longs. C'est-à-dire que si vous faites le test, par exemple, en agricole d'une nouvelle espèce végétale, la première année, vous êtes presque capable de déterminer si effectivement on va être capable d'avoir une production qui sera plus intéressante ou une meilleure adaptation à la sécheresse. En forêt, on est sur un cycle extrêmement long, donc au minimum de 60 ans. Et il n'y a pas, j'allais dire, il n'y a pas de maximum, mais un chêne, chez France Vallée, on le prélève à sa maturité, on ne le prélève pas avant 120 ans. Donc, c'est très compliqué. Et donc, on voit que chacune des régions, chacun des secteurs, outre les aspects de commercialisation qui sont aussi particuliers, a des particularités propres. Et le fait de s'appuyer sur des gestionnaires locaux, ça nous aide beaucoup dans la gestion quotidienne, dans les orientations qu'on choisit. Et puis, ça nous permet aussi de temps en temps de dire à l'un par rapport à l'autre de nos experts, mais tu devrais regarder ce qui se passe à côté, puisque finalement, ça fonctionne très bien. Et donc on se nourrit et on est riche de toutes ces expériences. Ensuite, je le détaillerai par la suite, les critères un peu plus précis de la charte de gestion, mais c'est dans l'encadre protégé. C'est-à-dire qu'une forêt, elle revêt beaucoup d'intérêts, beaucoup d'objectifs si toutefois elle est bien gérée. Et pour bien la gérer, il y a des critères précis, par exemple sur le tassement du sol, sur la préservation de la biodiversité, sur les itinéraires sylvicoles, le choix du renouvellement des peuplements, est-ce qu'on fait des coupes rases, de quelle nature. On aura l'occasion d'en parler un peu plus loin. Et ensuite, on a la partie privilégiée qui est l'idée derrière tout ça d'essayer de favoriser les circuits courts, une transformation locale. Alors, je préfère vous prévenir tout de suite, c'est un peu compliqué parce que la transparence à l'aval de la filière dans la partie transformation du bois est quand même assez complexe.
Mais c'est une des pistes d'amélioration que l'on doit mener sur les 5 prochaines années. Et ensuite, augmenter, c'est pareil, j'aurai l'occasion de développer cette partie-là par la suite, c'est les forêts captent naturellement du carbone sous réserve qu'elles soient en bonne santé, qu'elles soient bien gérées. Et l'idée derrière tout ça, c'est de se dire, mais quelles seraient les méthodes de gestion, les orientations que l'on pourrait prendre pour augmenter la séquestration du carbone à l'intérieur de nos forêts, mais aussi augmenter la part du bois produit la plus pérenne possible. C'est-à-dire que, en fait, vous n'avez pas la même durée de vie moyenne entre une charpente en bois et du bois de chauffage. Donc, pour rentrer un peu plus dans les détails, alors je n'ai pas fait une liste à la Prévert de tous les critères que l'on prend en termes de charte de gestion. J'en ai seulement pris quelques-uns qui sont intéressants. À compter de l'année prochaine, on s'engage sur ces seuils-là, sur ces chiffres. C'est-à-dire que toutes les forêts vont au moins avoir, et ça peut être beaucoup plus, 5% de la surface qui va être laissée en évolution naturelle, c'est-à-dire sans aucune intervention humaine, pendant au moins la durée du plan simple de gestion, donc c'est-à-dire de 10 à 20 ans, avec l'idée que ça soit plus pérenne que ça dans le temps. Ça peut être aussi des îlots de sénescence ou des îlots de vieillissement. L'îlot de sénescence, c'est quand on est arrivé à un stade très, très important où on va clairement laisser dépérir les bois, puisqu'en fait, ce qu'on remarque, c'est que la biodiversité, elle est principalement hébergée dans le bois mort, certes, mais surtout dans le bois qui est en cours de dépérissement, parce que lors de son dépérissement, en fait, il va accueillir tout un tas d'espèces graduellement jusqu'à ce que le bois dépérisse et finalement retourne en matière organique dans le sol et vienne nourrir ce sol et rendre disponible ça aux autres arbres. Nous, on s'engage très clairement sur quelque chose, c'est la taille des couperas. Ça fait beaucoup débat aujourd'hui. Les couperas, c'est une méthode sylvicole qui a beaucoup été employée. Nous, on se fixe un maximum à 2 hectares, en sachant que notre objectif, c'est d'y avoir recours vraiment si on n'a pas d'autres si on n'a pas d'autres solutions. Et j'allais dire qu'il y a un intérêt quand même d'avoir des zones un peu ouvertes en forêt qui sont issues de couperas, puisque en fait l'essentiel de la biodiversité se situe quand même dans les zones de transition entre plusieurs types d'espaces. Typiquement, il y a une biodiversité qui est très importante entre un champ et puis la bordure d'une forêt. Donc ça a un intérêt, mais par contre, il faut absolument que les surfaces soient minimes pour éviter les conséquences sur la biodiversité et aussi sur la survie des forêts à plus ou moins long terme. J'y reviendrai. Ensuite, zéro produit phytosanitaire et engrais chimiques. Ça paraît normal, mais jusqu'à quelque temps, on était encore autorisé en forêt, on pouvait encore, et certains gestionnaires le faisaient, certains propriétaires utilisaient des produits phytosanitaires. Ça se passe encore dans certaines régions, mais nous, on fait quelque part un sacrifice de rentabilité, d'accroissement de l'UIC en ne disant, on ne, même si ça n'intervient que sur une période de. Une fois pour un cycle de 50 ans, on proscrit absolument tout ce qui est d'origine chimique dans nos forêts. Ensuite, sur la question des sols et du tassement, on met en place en fait des cloisonnements d'exploitation qui vont permettre, qui sont des sortes de chemins à l'intérieur même des parcelles forestières, qui vont permettre de contraindre en fait les machines à la circulation sur ces mêmes espaces-là. C'est-à-dire qu'effectivement, en forêt, on a des machines qui ont un poids qui est de plus en plus important. Ça a beaucoup sécurisé aussi l'univers de l'exploitation forestière. Mais le corollaire à ça, c'est effectivement un tassement de sol. Et quand un sol est tassé, c'est très difficile de retrouver ses structures originelles. Et donc, l'idée, c'est de sacrifier en quelque sorte des petites zones à un espacement environ de 20 à 30 mètres, où on va simplement indiquer lors des exploitations est-ce que les machines restent à l'intérieur. Donc le tassement sera extrêmement localisé à cet endroit-là. Et par contre, dans les autres parties de la parcelle forestière, il n'y aura pas. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas un pneu d'engin et donc qu'il n'y ait pas de problème de tassement. Ensuite, quand malheureusement on est obligé de passer par une couperasse pour des raisons, par exemple sanitaires,
On s'engage à ce que nos reboisements ne soient pas monospécifiques, donc on n'est pas 100% d'une même essence. Donc quand on est au-delà de 2 hectares, on met au moins 20% de diversité. J'ai discuté pas plus tard qu'hier avec un gestionnaire qui me disait que sur une propriété, on allait partir sur des essences qui étaient multiples. Aujourd'hui, c'est une forêt qui est à 100% en chêne. On a eu quelques problèmes de dépérissement et on va pouvoir mettre du tilleul, du chêne évidemment, mais plusieurs types de chênes, du chêne pubescent par exemple, qui est plus résistant au réchauffement climatique. On va mettre un peu de platane, on peut mettre de l'érable sycomore. Enfin bref, il y a beaucoup d'essences aujourd'hui que l'on teste pour les questions de réchauffement climatique et donc ça amène une certaine diversité dans les peuplements et on évite de faire des surfaces 100% résineuses parce que globalement, les résineux accueillent un peu moins de biodiversité qu'une zone feuillue et encore moins qu'un mélange feuillu-résineux. Et ensuite, on s'engage à ce que on ait des arbres morts dans chacune de nos forêts. Alors ça, c'est une obligation PEFC. Je crois que c'est un arbre à l'hectare, mais on va plus loin. Et surtout, ce que je disais tout à l'heure, avoir des arbres qui sont en cours de dépérissement, puisque naturellement, en fait, un forestier, il a tendance à vouloir prélever rapidement les bois dépérissants pour pas avoir de perte de valeur. Sur la vente de ces chênes, puisque à partir d'un certain moment, en fait, on dit que les bois sont piqués ou commencent à pourrir, et à ce moment-là, ils n'ont plus les caractéristiques techniques qui leur permettent, par exemple, pour un chêne, de produire de la charpente. Donc là, il faut faire l'effort de laisser des bois dépérir, donc de faire, même s'il est minime, un sacrifice économique sur la vente des produits. C'est l'occasion de parler des itinéraires sylvicoles. Donc, je vous disais tout à l'heure, un objectif simple, c'est que la coupe rase doit être le dernier recours à la gestion d'un peuplement. En fait, on a aujourd'hui deux types de gestion, pour faire simple, qui peuvent en quelque sorte s'opposer, surtout sur les questions de renouvellement, c'est-à-dire que il y a le renouvellement en futaie régulière, c'est-à-dire que ce que vous voyez à votre gauche, c'est-à-dire qu'on part d'une forêt dans les deux cas. Avec des arbres qui ont le même âge, qui ont la même hauteur, à peu près le même diamètre, donc c'est une futaie régulière. Et la gestion traditionnelle en futaie régulière, je ne rentre pas dans les détails volontairement de régénération naturelle, mais ou de systèmes un peu plus comme l'ONF peut faire, mais en fait l'idée c'est une coupe rase, donc l'intégralité des bois, et ensuite on part sur une nouvelle génération de forêt en plantant 100% de la surface. Et jusqu'alors, ça se faisait beaucoup avec la même essence. Donc, le problème de ça, il est d'abord du point de vue du réchauffement climatique. C'est qu'aujourd'hui, quand vous faites une coupe d'une parcelle forestière, en fait, après, vous allez exposer les jeunes plants qui peuvent avoir 2, 3 ans, qui viennent de sortir de la pépinière, à des températures l'été qui peuvent être de plus de 40, 50 degrés. Donc, on a un taux de mortalité qui est très important dans ces cas-là. Donc, c'est pour ça aussi que la surface des couperas doit être impérativement réduite pour limiter. Et ça, c'est vraiment les conséquences économiques. Et ensuite, le problème de la couperas, c'est que a priori, il y a un déstockage important du carbone dans le sol, puisqu'il y a des interactions chimiques qui se produisent. Et d'un point de vue de la biodiversité, évidemment, c'est assez pauvre puisqu'on repart avec un terrain qui a été complètement exploité et donc qui possède beaucoup moins de capacité d'accueil qu'un peuplement mature. D'où l'idée, quand c'est possible, et ça ne l'est pas toujours malheureusement, de convertir ces peuplements en futaies régulières. On a beaucoup puisque en fait une bonne partie des forêts, en tout cas résineuses en France, elles sont l'héritage du Fonds forestier national qui était une subvention qui était accordé aux propriétaires forestiers, aux propriétaires de terrains agricoles, surtout dans toute la partie massif central un peu élargie, donc comprenant le Tarn, la Lozère. En fait, il y a eu une grosse campagne, il y a eu de la déprise agricole, donc on s'est bien demandé à quoi allaient servir les terrains qui étaient avant en culture, et donc l'État a mis en place un dispositif qui était en fait les contributions. Il y avait une contribution qui était prélevée sur chaque vente de bois qui venait abonder un fonds qui permettait de financer presque en totalité les reboisements. Et à l'époque, l'idée c'était de rendre la forêt française beaucoup plus productive qu'elle n'était, donc
mettre plutôt du résineux. Et à l'époque, on ne se posait pas de questions sur la biodiversité, puisqu'on parlait, on partait d'un terrain agricole. On plantait souvent 100% en monospécifique. Donc, on trouve des surfaces très importantes d'épicéas, par exemple, qui ont été plantées dans des zones en plus dans lesquelles ça ne réussit pas toutes les conditions optimales de croissance. Donc, ces peuplements-là, ils existent, on en achète régulièrement, on en gère, et l'idée, c'est d'essayer de trouver un mode de gestion avec ces peuplements qui est plus vertueux et surtout qui permet de maintenir au maximum le microclimat forestier. Vous aurez remarqué qu'en forêt, l'hiver, il fait toujours un petit peu plus chaud qu'ailleurs, et puis l'été, il fait beaucoup plus frais. Et ça, c'est vraiment un microclimat, c'est le climat forestier. Et donc, si on arrive, en quelque sorte, à maintenir suffisamment de couvert, donc suffisamment d'ombrage par des sujets qui sont un petit peu plus âgés, on évite de phénomènes, on limite le phénomène de sécheresse et l'exposition de la jeune génération à des températures qui peuvent être très importantes. L'autre intérêt de ce dispositif-là, c'est que ça nous permet à l'intérieur même des peuplements d'avoir une maturité de classe d'âge, donc d'opérer un renouvellement qui est perpétuel à l'intérieur de la forêt. De varier les essences et de profiter aussi, quand on a la chance de pouvoir avoir des sujets âgés qui permettent d'obtenir de la régénération naturelle, par exemple du chêne dans les glandais, de profiter d'un certain patrimoine génétique des parents qui est important. Et on remarque, il y a beaucoup d'études en ce moment sur les questions d'adaptabilité génétique. En fait, il est clair que toutes les essences forestières s'adaptent. Mais c'est une question de temps. Il faut par contre essayer de profiter de l'adaptation génétique, même si le bois à 150 ans, il a connu quand même des périodes plus fraîches que ce qu'on connaît aujourd'hui, pas plus chaudes malheureusement. Mais l'idée aussi, c'est de laisser au maximum ces peuplements, enfin ces arbres un peu vieux sur pied, pour que eux aient la capacité peut-être de pouvoir s'adapter au changement climatique. Et l'autre intérêt, il est plus sur une question de revenus, c'est-à-dire que comme vous n'avez pas à un instant T une coupe presque, enfin totale, comme dans le scénario de futaie régulière de l'ensemble des bois, vous avez un lissage des revenus et des coûts. Par contre, ça demande beaucoup plus de finesse de gestion, d'analyse de la station. La station, est composée de du sol et du climat, et ça demande beaucoup plus de travail de la part du gestionnaire, beaucoup plus de finesse, et on apprend un peu en faisant, puisque chaque forêt réagit différemment à ce type de trait. Ensuite, on peut parler de la question des ventes de bois, puisque c'est très bien de produire du bois et de le produire de façon la plus vertueuse possible, mais faut-il que derrière son utilisation le soit tout autant? En fait, ce qu'on remarque chez France Vallée, c'est qu'on produit essentiellement du bois d'œuvre. Donc, le bois d'œuvre, c'est toutes les utilisations, on va dire, massives du bois, donc pour la charpente, pour l'ébénisterie, pour la tonnellerie. Et c'est aussi, et ça a un intérêt pour le bilan carbone d'une forêt, puisque c'est les utilisations qui sont les plus pérennes dans le temps. Donc le stockage du carbone est beaucoup plus important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand la charpente de la cathédrale Notre-Dame a brûlé, en fait, cette charpente-là, au moment où elle a brûlé, elle contenait autant de carbone que quand elle a été installée. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que les usages et les bons usages du matériau bois sont aussi importants, voire plus importants que la séquestration carbone à l'intérieur même des peuplements. On a quand même une partie en bois d'industrie, puisque quand on fait des petites coupes dans le jeune âge, ben on a besoin, ou sur des qualités de bois qui sont mauvaises, on a besoin d'avoir d'autres solutions. Donc les panneaux de particules, ça veut dire le bois d'industrie, ça veut dire le bois grossièrement qui est broyé et ensuite qui est reconstitué pour faire typiquement du mobilier de chez IKEA. Et ensuite, il y a le bois énergie, donc le bois bûche, qui on peut considérer a priori un bilan carbone qui est de zéro, c'est-à-dire que le bois a séquestré du carbone pendant sa croissance, mais au moment où il est brûlé, la totalité du carbone est recraché dans l'atmosphère. Voilà. Autre paramètre important, c'est la destination de nos bois. En fait, à l'analyse, on se rend compte que 89% du volume de bois d'œuvre sont vendus à des scieurs
ou à des exploitants qui sont situés en moyenne à 150 km de nos forêts. Alors, ça ne veut pas dire que la première transformation a lieu dans ce périmètre, et ça ne veut surtout pas dire que la deuxième, troisième, quatrième transformation, voire la pose, a lieu également dans ce rayon de 150 km. Et ça fait partie des pistes d'amélioration qu'on doit avoir, mais France-Vallée et globalement l'ensemble de la filière. Et ça représente 600 foyers que l'on pourrait chauffer avec le bois de chauffage qu'on commercialise chaque année. Alors, quelques mots sur l'indice de carbone forestier qu'on a développé. En fait, on parle souvent d'une analyse pour le carbone forestier de manière générale des 3 S, c'est-à-dire la séquestration, la substitution et le stockage. La séquestration, c'est-à-dire que c'est la capacité des peuplements forestiers existants à séquestrer du carbone, puisqu'en fait le bois a besoin de carbone pour se structurer. En fonction des essences, on a des accroissements biologiques qui sont bien différents. Par exemple, si l'on prend du Douglas, il est en capacité de produire dans certaines zones 16 mètres cubes par hectare et par an, en moyenne sur l'ensemble de son cycle de production, alors que le chêne sera peut-être de 1 ou 2 mètres cubes par hectare et par an. Mais intrinsèquement, les essences forestières ne stockent pas la même, n'ont pas le même taux de stockage de carbone. C'est-à-dire que ce même chêne stocke environ pour une tonne de CO2, enfin pour 1 mètre cube de bois, une tonne de CO2, alors que le Douglas, l'ensemble des résineux, est plutôt à 0,60 tonnes de CO2 pour 1 mètre cube de bois. Donc en fait, c'est important d'analyser ça, c'est l'accroissement biologique, mais aussi il faut être capable de déterminer précisément quelles essences composent nos peuplements, pour qu'on sache exactement quel est le taux de carbone dans chacune des essences. Évidemment, la séquestration, elle varie au cours du temps du peuplement, et surtout en fonction des coupes. Donc, on vient déduire l'ensemble des coupes que l'on fait au cours de la vie du peuplement et au cours de l'année, finalement, d'analyse pour produire un indice de carbone forestier. On prend ensuite les émissions de l'exploitation forestière, puisque quand on exploite un arbre, bah, il y a des machines, donc ça consomme du fuel, et le fuel, ça émet du CO2. Et ensuite, on passe à la partie finalement plus aval de la filière, c'est-à-dire la substitution et la séquestration. La substitution, c'est le fait de se dire que pour produire la même poutre en bois pour exactement le même usage, par rapport à du béton ou à de l'acier, on va consommer beaucoup moins de CO2 puisqu'on a besoin de beaucoup moins d'énergie pour la transformer. Ça sous-entend par contre qu'il faut bien faire l'analyse et il faut bien prendre simplement le rendement au sciage. C'est-à-dire que, en fait, c'est assez paradoxal, mais quand on prélève un chêne, on estime qu'en moyenne, il y a seulement 40 à 50% du bois qui va réellement servir à faire le produit. Pourquoi on l'a vendu? C'est-à-dire que pour faire une charpente, on va utiliser en général 50% du volume qu'on a prélevé, puisqu'il faut trier les bois, il y a des problèmes de qualité, il faut enlever la partie de l'écorce, la partie de l'aubier qui est le bois tendre et qui est pas une partie du bois pérenne qui va pourrir dans le temps et qui peut poser des problèmes de résistance mécanique et même de séchage et des poilures sur les planches. Donc c'est très important de prendre tous ces critères-là en compte. Donc on prend des grands indices pour les déterminer. Et ensuite, c'est la partie stockage dans les produits bois. Donc en fonction de la destination a priori de nos produits bois, on est capable de dire si le stockage doit être en moyenne en France, par exemple pour une charpente de 25 ans, ou si c'est dans le cadre du bois de chauffage, un stockage qui est considéré comme nul, puisqu'au bout de 1 ou 2 ans maximum, l'ensemble du bois est brûlé. Donc il n'y a pas de stockage. Donc en fait, c'est une sorte d'empilage. De compartiments qui prennent en compte la séquestration, donc l'amont de la production forestière jusqu'à l'aval et l'ensemble des opérations de transformation des bois. Alors il faut être vigilant sur c'est un indice, ça ne donne pas lieu à de la compensation. On est extrêmement vigilant chez France Vallée sur ces sujets-là, puisqu'en fait, la forêt, c'est quand même très compliqué pour nous aujourd'hui de dire que même si on a une gestion qui est dynamique et qui est vertueuse, de justifier d'un gain de carbone particulier, puisque pour justifier d'un gain de carbone, il faut une additionnalité. Donc, il faut que, par rapport à un scénario de référence que l'on fixe, on puisse démontrer que par nos actions, on améliore la séquestration de carbone,
Et donc, en fait, finalement, le gain de carbone, c'est la différence entre le scénario de référence et puis le scénario alternatif qu'on choisit. Et autre chose, c'est que ce n'est pas parce que France Vallée a acheté cette forêt-là que vous, particulier, si vous l'aviez acheté, vous n'auriez pas une gestion différente. Donc, en fait, on n'a pas vraiment, nous, d'action réelle quand on achète une forêt sur une gestion, on va dire, ordinaire, de gain de carbone. Et surtout, l'ensemble des forêts en France sont comptabilisées dans le bilan national. Et donc, ça reviendrait à compter, si on en faisait un produit et si on générait des crédits carbone, ça reviendrait à compter deux fois des crédits carbone. Et on sait que le sujet carbone est très complexe et il faut absolument faire attention aux questions de double comptabilité. Ensuite, j'en parlais tout à l'heure, les pistes d'amélioration, c'est pour moi l'aspect social, mais l'aspect filière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin de gagner en traçabilité à l'aval de la filière. On a besoin de nouer des partenariats locaux, on en a déjà, on travaille avec beaucoup de sieurs sur des contrats pluriannuels, mais ce qu'il faut, c'est qu'on puisse être capable de tracer après la première transformation, où a lieu la seconde, la troisième, et aujourd'hui, tous les labels qui peuvent exister, dont le label UE, ne permettent pas réellement de le faire, puisqu'en fait, les sieurs sont engagés sur une première transformation sur le territoire, mais ce n'est pas suffisant. À notre sens, il faut aller plus loin, puisqu'on parlait tout à l'heure de bilan carbone, mais si mon chêne qui a séquestré beaucoup de carbone pendant ses 150 vies finit sur un bateau pour aller en Chine, évidemment, le bilan carbone, il est nul. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Et en plus, nous, l'idée, c'est de s'ancrer. Évidemment, on est terrien dans l'âme puisqu'on achète des forêts. C'est de s'ancrer aussi localement et de pouvoir développer ces partenariats avec des cieux. Ensuite, c'est de progresser toujours un peu plus vers l'adaptabilité des essences. C'est-à-dire que le réchauffement climatique est là. Il est présent. Je vais quand même dire quelque chose à ce sujet-là. C'est que on fait partie, nous, les forestiers, des premiers secteurs vraiment touchés qui voyons au quotidien les conséquences du réchauffement climatique. J'ai pas de crainte majeure parce que je me dis toujours que la forêt pousse et la nature a horreur du vide. Donc, il faut par contre s'attendre à ce qu'il y ait des changements de visage de nos paysages. C'est-à-dire que il y a des zones où aujourd'hui on a des chênes. Malheureusement, demain, on aura peut-être plutôt des résineux qui posséderont moins de problèmes vis-à-vis du réchauffement climatique. Mais par exemple, c'est simplement peut-être de changer de sous-espèce. C'est-à-dire que dans les chênes, il y en a beaucoup. Il y a des chênes qui peuvent venir aussi de contrées lointaines, qui peuvent être intéressants de tester. Ça peut être aussi, par exemple, aujourd'hui, on a tendance à beaucoup remplacer le chêne pédonculé et le chêne sessile par le chêne pubescent, parce que c'est un bois bon, qui a des caractéristiques techniques qui sont un peu moins bonnes que les deux chênes précédents, mais par contre, qui a une résistance vraiment accrue aux sécheresses. Donc, ça peut être des bonnes solutions. Donc, il faut continuer à faire ce travail, alors par l'intermédiaire de partenariats avec les instituts de recherche, mais aussi de façon très empirique, comme je le rappelais, avec l'ensemble de nos gestionnaires. Et ensuite, ça reprend un peu ce thème-là, c'est l'analyse des risques. C'est-à-dire que aujourd'hui, avec l'ensemble des informations, avec le LIDAR, en recoupant une sorte d'analyse, de méta-analyse de toutes les informations dont on a à notre disposition, on devrait être capable, dans les prochains temps, de vraiment faire une analyse poussée sur les risques propres à chaque localité, chaque station. Et je conclurai, avant de laisser la parole à Paul sur ce qui me semble être important, c'est que je pense que les boîtes forestières, avoir vendu des propriétés forestières, à l'origine quand j'étais pas chez France Vallée, à des particuliers, les avoir gérées, je trouve que le meilleur moyen, en tout cas, de participer et de contribuer à la gestion vertueuse des forêts, à la séquestration du carbone, à tout ce qui va avec, c'est d'investir dans un véhicule collectif, puisque à l'inverse d'un propriétaire privé, on a beaucoup moins de questions de trésorerie, puisque tout ça c'est extrêmement dilué. On a une vraie expérience en la matière, puisque France Vallée achète des forêts depuis 10 ans, et ensuite, par l'intermédiaire de nos gestionnaires locaux, on est riche de beaucoup d'expériences, de beaucoup d'échanges. Et donc, par rapport à un propriétaire privé qui pourrait se trouver un peu esselé, un peu perdu face à tous les enjeux qui lui incombent, puisqu'en fait, on n'est que dépositaire d'une forêt, c'est-à-dire que moi, j'ai
En prenant certaines forêts en gestion, on a finalement récupéré les choix des précédents propriétaires et on en fait au quotidien pour les propriétaires suivants. Et donc, ça demande une expertise qui est très importante, qui plus est dans un contexte de réchauffement climatique. Je laisse la parole à Paul pour Oui, détailler merci. les produits qu'on propose. Oui, alors peut-être juste avant de présenter l'offre France Vallée, merci déjà Clément pour cette intervention très 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 intéressante et particulièrement claire. Je pense que ça voilà, a éclairé fortement effectivement nos participants sur la gestion opérée par France Vallée des forêts. Donc on a eu plusieurs questions qui nous étaient remontées. Je vais te les relayer tout de suite. Si ça te va, Clément. Première chose par rapport aux risques, les risques par rapport liés à l'investissement dans les massifs forestiers. Comment ça se passe? Quel est l'impact en cas d'incendie ou de tempête, par exemple? Alors, c'est une question qui est intéressante et qui est contextuelle, puisqu'on a une forêt qui a été touchée alors assez, de façon assez marginale. A priori, on n'a pas encore les détails, mais en Bretagne, par les vents violents des semaines dernières. En fait, ce qu'il faut déjà, la première chose, c'est qu'en France, en tout cas en Europe, on est en train de développer des partenariats un peu partout. Mais en France, toutes les forêts de France Vallée sont couvertes contre les risques incendie, tempête, grêle, neige lourde, en fonction de leur niveau de risque. En fait, il y a beaucoup. La question du risque est un peu complexe parce qu'elle dépend beaucoup du type d'essence, de la maturité et des localisations. C'est-à-dire que si on prend l'angle tempête, en fait, un chêne mature a assez peu de risques vis-à-vis de la tempête. Alors, il peut tomber, évidemment, mais par contre, intrinsèquement, c'est un bois qui est résistant et donc il a tendance à se coucher. Donc, si je parle là d'événements qui ne sont pas nationaux, simplement d'événements locaux comme on a pu connaître en Bretagne ou pour les incendies, par exemple, dans les Landes il y a 2 ans de ça. Donc, ce bois-là, s'il est tombé, on va pouvoir venir le prélever sans presque aucune perte de valeur. Là où c'est plus compliqué, c'est par exemple sur des peuplements d'épicéas qui a tendance, quand il y a des coups de vent, à non pas se coucher complètement, mais à exploser. Et donc à se défibrer et donc perdre, par exemple, la possibilité de faire de la charpente. Et donc la seule possibilité de vente, ça sera le bois énergie ou le bois d'industrie pour faire du déchiquetage de bois, puisque en tant que tel, il a perdu sa construction et donc on ne pourra pas l'utiliser pour ces usages-là. Ça dépend aussi beaucoup de la maturité des forêts. Évidemment, une plantation qui a 3 ans, elle n'a pas la même sensibilité au vent qu'un peuplement qu'on a 50. Donc, en fonction de tout ça, ben, on va déterminer en interne une clé assez précise de risque incendie et de risque tempête que l'on a pour chacun des actifs. Et on va mettre plus ou moins haute la garantie. En cas de sinistre. Et je parlais justement des jeunes peuplements. Et ça peut être par contre un vrai problème en cas d'incendie parce que, en l'état, si un incendie parcourt une forêt de chênes avec des chênes qui font 40, 50 cm de diamètre, il y aura presque aucune conséquence et même on n'aura peut-être pas l'obligation de prélever ces bois puisqu'ils seront toujours vivants. Et puis, l'écorce étant tellement importante que l'intérieur du bois sera préservé. Par contre, pour un jeune peuplement que l'on a acheté en valeur d'avenir, c'est-à-dire qu'on vient escompter finalement les revenus futurs, puisqu'une plantation, quand on l'achète ou quand on la fait, je sais pas, quand elle a 2 ans, par exemple, il n'y a pas de valeur commerciale derrière cette plantation. Par contre, il y a une valeur future, puisqu'il y a un accroissement naturel et petit à petit, on va avoir une production de bois. Ces peuplements-là sont très risqués, puisque s'il y a un incendie, on perd 100% de notre valeur. Donc, ces peuplements-là, on a tendance à les couvrir non pas à 30%, mais plutôt à 80 ou 90%. Mais la moyenne, en général, de notre couverture en France, c'est de l'ordre de 30%. Ok, très bien, très clair. Une autre question. Alors, on a plusieurs questions. Merci, hein. J'en profite pour remercier les participants nombreux qui posent des questions ou des questions liées à la diversification. Tu parlais, Clément, à plusieurs reprises du réchauffement climatique et donc les évolutions des espèces qui sont plantées ou replantées.
Quel est l'impact commercial, financier finalement lié à cette diversification? Est-ce qu'on arrive à maintenir un niveau de rentabilité, si je reformule, hein, de ma compréhension, un niveau de rentabilité semblable avec la diversification des espèces et l'intérêt peut-être d'investir aussi dans les pays du Nord? Est-ce que c'est pour préserver une part tout aussi important de chaînes dans certains pays du nord ou de l'est de l'Europe. Alors, je vais commencer par la première question sur la diversification des essences. Alors, c'est malheureusement une question que l'on ne peut pas se poser, l'aspect commercialisation des bois à terme, puisqu'en fait, quand on fait un choix de gestion, au minimum, on viendra prélever les premiers bois de qualité pour faire du bois d'œuvre dans 30 ou 40 ans. Vous dire quel sera le marché du bois, les demandes de la construction dans 30 ou 40 ans, j'en suis bien, je serais bien embêté par cette question, puisqu'en fait, on n'a pas les réponses. Ce qui est certain, c'est que on détient la ressource. Donc, si on est capable aujourd'hui de trouver des essences qui résistent au réchauffement climatique, les scieurs s'adapteront et achèteront les bois que l'on aura fait, que l'on a produit. Typiquement, si on prend le Douglas, son introduction massive en France, elle date des années, on va dire 60, 70. Les scieurs connaissaient pas ce bois-là. Jusqu'alors, ils utilisaient de l'épicéa, du sapin qui poussait naturellement dans les zones à altitude. Mais ils se sont adaptés et ils ont fait des productions de, ils ont fait des débits de Douglas. Et ça a très bien fonctionné parce que c'est un bois qui est super du point de vue de la construction. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut pas raisonner vu le temps long. On peut pas raisonner réellement sur, quand on plante une essence, sur les aspects de commercialisation. On peut quand même se poser des questions sur les caractéristiques technologiques de l'essence. Est-ce qu'elle sera capable de produire, par exemple, de la charpente? On sait qu'on va en avoir énormément besoin dans l'ensemble des constructions. Donc, effectivement, on a tendance à prendre des bois qui sont capables de faire de la charpente, en disant, par exemple, du cèdre, pour d'autres usages extérieurs, par exemple du robinier, on sait que ça peut être utilisé pour ce type de production. Mais il faut pas raisonner, on peut pas aujourd'hui malheureusement, on peut pas raisonner avec l'idée de commercialisation à terme. Ensuite, sur effectivement, c'est une question qui est très judicieuse sur le Nord. C'est que ce qu'on remarque, c'est que ce qui est prévu, et vous dites bien, c'est une migration des essences, donc du sud au nord. On voit que dans certaines forêts, en fait, aujourd'hui, le chêne, même en France, hein, le chêne recule de 100, a reculé de 100 km en l'espace de 10 ans avec l'ensemble des dépérissements. Effectivement, quand on regarde les scénarios, si vous avez l'occasion d'aller sur le site Climessence, regardez les scénarios dans les pays baltes et dans les pays du nord. Effectivement, dans les scénarios catastrophistes du réchauffement climatique, le chêne pourrait être adapté. Et on va commencer d'ailleurs à essayer de l'introduire un peu dans les pays baltes. On a aussi, pour le compte d'un institutionnel assez connu, une propriété sur l'île d'Iuma. Et là, dans les prochains plans de reboisement, on va essayer de mettre un peu de chêne pour voir ce que ça donne. Après, ce n'est pas des sols qui ont la même fertilité, c'est des sols qui sont un peu engorgés en eau. Ils connaissent par contre assez peu la matière feuillue de manière générale. C'est plutôt le seul feuillu qu'ils connaissent bien, c'est le bouleau. Mais effectivement, c'est une solution et le fait d'investir au nord, ça nous permettra peut-être à terme d'implanter du chêne et avoir de la production de chêne. Mais en même temps, ce qui est assez paradoxal, c'est que quand vous investissez en Roumanie, vous êtes sur des climats qui sont, que l'on dit, beaucoup plus continentaux, c'est-à-dire qu'il y a des hivers très, très froids et des étés très chauds. Donc, des climats qui sont a priori plus durs que notre climat français qui est globalement tempéré, enfin qui est océanique dégradé, il n'y a aucun dépérissement de chêne en Roumanie. Voilà. Donc c'est pas parce qu'on va au nord que forcément on trouve non plus les meilleures solutions, enfin les stations les plus satisfaisantes, parce que encore une fois il y a, et je pense que c'est pour ça qu'en Roumanie les peuples maintiennent, parce qu'il y a une adaptabilité génétique qui s'opère. Très bien, très clair. Merci Clément pour ces réponses. Paul, si tu veux enchaîner sur la présentation de l'offre en quelques mots.
Oui, très rapidement, parce que du coup, on va toucher au bout de l'intervention. Vous l'avez bien compris, du coup, avec cette présentation que chez France Vallée, on avait de réelles convictions sur cette classe d'actifs. Donc, on trouve intéressant finalement d'en posséder une petite partie de son patrimoine. C'est une vraie brique de diversification. Et c'est pour ça que chez France Vallée, on a créé plusieurs fonds. Donc là, vous en voyez quatre. On a deux fonds français et deux fonds européens. Et vous, en tant qu'investisseur privé, bah, vous avez la particularité finalement d'investir dans une classe d'actifs en laquelle vous croyez qu'il y a de réelles perspectives et des opportunités. Et aussi, la petite cerise sur le gâteau, c'est que vous bénéficiez d'avantages fiscaux. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun de vos fonds. Si cela vous intéresse, vous pourrez vous diriger directement vers votre conseiller Grisby, qui vous conseillera par rapport à votre horizon de placement, vos objectifs. Mais voilà, il faut savoir qu'on a deux fonds français, deux fonds européens, qui sont au nombre de trois. Il y a la partie exonération d'IFI, donc ce n'est pas un avantage fiscal en tant que tel, mais un investissement dans un de nos fonds ne vient pas alourdir l'assiette taxable à l'IFI. Donc ça, c'est important, 100% d'exonération à l'IFI. Après, on a des fonds qui sont éligibles à ce qu'on appelle la loi IR-PME qui permettent une réduction d'impôt sur le montant investi. Alors jusqu'à la fin de l'année, elle est de 25%. La loi de finances l'a majorée de 18% à 25%. Donc je prends l'exemple, vous investissez 10 000 euros. Vous avez 2 500 euros de réduction d'impôt. C'est soumis aux 10 000 euros des niches fiscales et c'est soumis aussi à une durée d'investissement entre 5 à 7 ans. Donc voilà le deuxième avantage fiscal. Et le troisième avantage fiscal, pour les patrimoines conséquents qui auraient ce qu'on appelle des droits de mutation à titre gratuit importants, donc en cas de transmission, on a un fonds qui permet. On a un fonds, je crois qu'il y a eu une petite coupure, on a un fonds qui permet d'avoir un avantage fiscal en cas de transmission qui est de 75% sur la quote-part forestière. Donc vous investissez 100, vous avez 75% non pas sur le montant investi, mais sur la quote-part forestière à l'intérieur du fonds. Donc ça peut venir diminuer l'assiette taxable en cas de donation ou de transmission. Donc voilà les avantages fiscaux qui sont très intéressants pour un particulier et pour les entreprises. On a un fonds éligible aux 150 obiter. Je ne rentrerai pas dans le détail. Je ne sais pas s'il y a des clients éligibles à cela, mais voilà. Donc voilà un petit peu la gamme et l'univers d'investissement chez France Vallée. Et bah, si vous êtes intéressé, je vous invite à vous adresser directement à votre conseiller Grisby qui pourra vous conseiller et vous expliquer chacun des fonds en détail. Parfait, merci beaucoup Paul pour cette présentation. Juste un mot sur le 150 BTR, c'est dans le cadre d'une session d'entreprise. On a, dans certains cas, un intérêt à réinvestir sur les dispositifs éligibles à ce dispositif. Et il y a un fonds de France Vallée qui propose cette possibilité-là. Comme l'a souligné à plusieurs reprises Paul, l'ensemble des conseillers Grisby sont à votre disposition justement pour faire le point avec vous. Si vous êtes intéressé pour investir dans la forêt, ce qu'il faut retenir, c'est dans une logique de diversification. Vous avez compris grâce aux interventions de Clément et de Paul l'intérêt de le faire. Ça s'inscrit dans un temps long aussi, ça c'est important de le souligner. On n'investit pas dans la forêt pour une période limitée dans le temps, bien évidemment. Merci une nouvelle fois à l'ensemble des intervenants. On a déjà eu des remerciements par écrit de certains des participants. Donc je vous les relais. Nous sommes une fois de plus à votre disposition et on va vous mettre aussi à disposition le replay de ce webinaire. Si vous voulez le revoir ou si vous voulez le transmettre à l'un ou l'autre de vos proches, vous pourrez le faire très vite. Je vous dis à très bientôt et notamment sur le sujet de la défiscalisation, comme l'évoquait Paul. Il nous reste quelques jours d'ici la fin de l'année pour investir dans la forêt et bénéficier d'une réduction de 25% de votre impôt sur le revenu avant la fin d'année. Voilà, merci à tous et à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup.